Révision de la constitution de la République démocratique du Congo, le débat est relancé. En soi, la révision de la constitution n'est pas mauvaise, mais il faut éviter que cette révision soit dictée par la démangeaison politique. Une révision de la constitution doit être celle qui contribue à l'amélioration de la gouvernance, doit être une révision qui permet à l'État de bien asseoir ses prérogatives, son autorité pour le bien-être de la population. Et non une révision qui répond à un besoin politique pour consacrer telle ou telle manœuvre. Félix Tshisekedi veut une constitution digne de notre pays. Bouger les lignes, les dessous des cartes de cette initiative ne passent pas aux yeux des observateurs. Indiscrétion. Il y en a qui pensent que l'élection du président de la République peut être ramenée au suffrage indirect et non au suffrage direct. Et que ce soit le Parlement qui réunit en congrès qui va voter le président de la République. Il faut se poser la question, quel type de classe politique avons-nous aujourd'hui dans notre pays? Qu'est-ce que les élections indirectes n'ont pas montré comme limite? On pense qu'on peut nommer le gouverneur. Et au même moment, on pense que le président peut être voté en indirect. Je pense qu'il y a là une contradiction. Parce que ce qu'on a reproché dans l'élection indirecte de gouverneur, est-ce qu'il ne va pas arriver dans l'élection indirecte du président de la République? Pour le professeur Sylvain Kantolomba, la révision de la Constitution doit se réaliser dans les règles d'art. De la Constitution, comme je le disais, doit se faire dans un climat apaisé et que ceux qui sont appelés à la table de discussion doivent privilégier l'intérêt de l'État. Parce que personne ne peut être au-dessus de l'État. Le président de la République a annoncé la mise en place d'une commission qui devra réfléchir sur une nouvelle Constitution.